Vous ne pourrez plus utiliser ce statut juridique. La loi du 14 février 2022 a supprimé l'entreprise individuelle à responsabilité limitée pour mettre en place un statut unique de l'entrepreneur individuel. Cette nouvelle réforme est entrée en vigueur le 15 mai 2022. Mais quelles sont les conséquences de cette réforme? Pour les entreprises créées avant cette date, il y a trois possibilités. Garder son entreprise, supprimer son entreprise, soit encore transformer son entreprise en SASU ou en EURL. Cette réforme a donc mis en place un nouveau statut, celui de l'entrepreneur individuel, qui présente quatre caractéristiques principales. Premièrement, la séparation entre le patrimoine personnel et professionnel. Deuxièmement, la possibilité de choisir son régime d'imposition. Troisièmement, bénéficier de l'allocation des travailleurs indépendants. Et enfin, inscrire la mention obligatoire EI sur tous les documents commerciaux. De manière globale, pour les personnes souhaitant entreprendre seules, il sera toujours possible de créer une SASU ou une EURL. Si vous souhaitez créer votre entreprise et vous faire accompagner, pensez à Legal Place. À ce jour, nous avons déjà accompagné plus de 100 000 entrepreneurs. Maintenant, vous savez pourquoi.